Nous connaissons un gros point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est le président Jovenel Moïse, donc on dit exécutif là, ou bien président Jovenel Moïse, qui prend un arrêté, côté que yo nommé 9 membres qui font partie du conseil électoral provisoire. Et le conseil, ça a bien pour non seulement organiser l'élection, mais l'a bien tout pour organiser un référendum. Parce que c'est une pile réaction qui sortit un peu partout dans la classe politique là, dans la société civile là, et dans pile monde tout dans environnement pouvoir qui au même à dans média capoté explication. Et correspondant à Port-au-Prince, Massiado Vilmé lui-même il était allé dans mi-temps étudiant yo qui gagne réaction dépamment par rapport à arrêté président Jovenel Moïse. C'est étudiant faculté droit et sciences économiques FDSE avec faculté sciences humaines FACH qui pas applaudi conseil électoral provisoire tout neuf c'est là. On a appelé pour faire un référendum pour que nous changions la constitution. Là, on a posé une question, comment, c'est ça, on a dit, professeur, nous, professeur, méthodologie, nous, on a fait que les sciences humaines, des deals, bâtonnier, les avocats, mais mettre d'oval, que nous, on comment que de mourir. Donc, il était dit que, directement, nos constitutions, soit, bah, comment pour que nous changions la constitution. Donc, ça veut dire que question font KIP pour changer la constitution, ça pose des problèmes. Et là, nous regardons qui est-ce qui a fait KIP, qui est-ce qui mettait Mounsa pour changer la constitution, président de la République. Et sous qui ça a été fait seulement sous la constitution, ça veut dire que la constitution a été mise de côté depuis longtemps. Ça. Et comment la constitution a été mise de côté? Là, nous regardons que la constitution parle de trois pouvoirs. Je ne dis pas combien qui existait. Pas gagné. Donc, pouvoir de contrôle, là, qui est-ce qui a gagné? KIP, ça devant qui est-ce qui passe? Qui est-ce? Ça veut dire que le pouvoir législatif n'a pas existé déjà. Ça veut dire que la constitution a parlé pour que le change. Les gens ont encore mis les deux côtés longtemps. Donc, nous ne pouvons pas parler là pour parler d'un référendum. Référendum à qui est-ce? À qui groupe de monde? Je pense que pour monter en KIP, il y a des avis que Jovenel a supposé jouer. Mais on connaît, en Haïti, souvent, depuis les Jovenel Moutia, c'est ça le fait. Il prend comme choix le bataille. C'est violer la constitution, violer la loi mère pays. Et puis, il continue à marcher dans la logique. Ça, qui faut que Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, même les campés, font KIP comme ça. Je ne sais pas pourquoi Jovenel Moïse, quel que soit le monde, quel que soit homme de droit, quel que soit le monde qui connaît ça ou les politiques, ça ou les élections, a d'accord avec Jovenel. Qui paraît un bon matin, lever le fond mon KIP avec un paquet de bandes de monde incompétents, qui prend le fourré pour la faire l'élection. Ça, catégoriquement, ça indigne nous par rapport à qui ça. Étant que jeunes n'ont pas vu nos pays, que l'État va prendre en charge, l'État décide de faire affaire Jean Levé sans prendre avis de monde, il sortit de KIP, il met les gens, il tout le ça. Les gens qui sortent d'abord, ça c'est le président qui a dit ça, il y a des gens pour voir, il décide de faire affaire, sa population société, il fait affaire. Nous-mêmes, nous campons et nous disons que nous ne sommes pas d'accord ensemble avec ça qu'a fait. Non? Comme nous décidons de faire ensemble avec eux, quand tu fais affaire, mais nous-mêmes nous parlons d'elle. Nous-mêmes la jeunesse, plus précisément moi, non, non pas, moi dis, je ne suis pas d'accord avec elle, je ne suis pas machine logique. Comme livre, son tête, lui dit, lui fait affaire, lui décide, on est consalié. Quel fait, mais catégoriquement, nous parlons d'elle, nous parlons d'élection. Vu que nous sommes capables de trouver dans mon idiot, c'est que le président m'a demandé pour que KIPA travaille sur le référendum. Mais est-ce que la constitution, il y a pour qu'ils ont arrivé à travailler sur le référendum. Je pense que la constitution est claire sur ça. La constitution 47 ans qui finit, c'est une constitution qui finit, qui monte à partir du référendum. Cependant, en dedans, il n'y a pas de prérogatif pour le référendum fait. Si le président veut changer la constitution, que lui prévoit légal et formel que la constitution tracée pour lui capable de changer. Pour Mathilson Charlotte, il y a un autre étudiant dans la faculté d'ethnologie, ça a lié choix nouveau conseiller. Il y a 9 noms qui désignaient en KIP. Je pense que pour un premier représentant du secteur jeunesse, c'est intéressant que la jeunesse soit représentée en KIP. Oui, je félicite Antonio Detine pour positionner en KIP. Ça que nous avons fait, c'est que pour lui faire travailler la jeunesse et que pour la jeunesse intégrée, dans une élection libre, honnête, crédible et démocratique. Nous devons dire assemblée qui constitue pour mettre camper une nouvelle constitution déjà à pied d'œuvre. Ça y est, même bureau communication par le national, Mackenson Kangé, fait qu'on est sur Radio Magique 9. Moi, c'est Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci, Massiado Vilmé. C'est pratiquement un gros avancé que l'exécutif l'a fait, non seulement en direction élection dans le pays, mais en direction une nouvelle constitution. Et d'après yon responsable bureau communication président, gagnon assemblée constituante actuellement là, qui a rédigé une nouvelle constitution. Et d'après déclaration ça que le fait
sous Magic 9 matin, jeudi lundi 21 septembre 2020, eh ben prochainement la gain pour le bail non moun sa yo k'ap rédigé constitution haïtienne nan et pral gain yo référendum et gen pile moun ki opiné sous question référendum nan parce que d'après yo constitution haïtienne nan pa vle question référendum pour changer constitution. Donc ça a débouché sou yon gros débat qu'a fait dans la société haïtienne. Et puis l'autre point dans l'actualité a toujours concernant pays d'Haïti. Hier 20 septembre 2020, pour la première fois, tu as gagné commémoration la vie et père fondateur PIA en parlant de Jean-Jacques Dessalines parce que 20 septembre, c'était anniversaire de naissance. Li. Correspondant à Port-au-Prince, Renan Toussaint, gain détail sur ce qui t'est passé dans l'occasion journée ça. 20 septembre 1758, 20 septembre 2020, ça fait exactement 262 l'année depuis gros potorique garçon Sahara te prend naissance sous Boutéa. Dans le cadre commémoration date Sahara, dimanche 20 septembre 2021, président Jovenel Moïse, à travers un arrêté présidentiel consacré date 20 septembre, chaque année, journée de Saline, et chaque 17 octobre, date la mort de Saline, journée deuil national. Et disait Jean-Louis, un dirigeant organisation sociopolitique opposition, qualifié démarche chef l'État comme hypocrisie. Jovenel Moïse, c'est lui-même qui a sorti tout arrêté. Mais geste sorti arrêté, il est capable de son geste comme capable de hypocrisie. Parce que je ne veux dire, nous ne pouvons pas avoir des salines qui te bataille pour nous, qui te gourmé pour nous sortir dans l'esclavage, je ne veux dire, mais quoi est à nous. Parallèlement, une branche dans l'opposition haïtienne, secteur démocratique et populaire, qui a mis André Michel comme porte-parole, t'a lancé une journée mobilisation nationale. Dans l'histoire de ce pays, on a toujours célébré l'assassinat du père fondateur de la patrie, mais on n'a jamais célébré sa vie. Voilà pourquoi 20 septembre 2020, son journée de mobilisation. Mais en rien pas de marché, sauf que quelques grands militants politiques, différentes tendances qui étaient portées bourrées sous place des Salines, Champ de Mars, côté Abel Loreston, un représentant parti politique Petite des Salines, t'est déposé un jeune fleur dans le pied statue Papa Nation. Ensemble, organisation politique de l'opposition, nous présents sur place Papa des Salines pour nous déposer un jeune fleur aujourd'hui à là pour nous commémorer d'être ça. Date de naissance, Jean-Jacques Dessalines, qui fait l'idée 162 années depuis Porto-Rico garçon ça t'est tombé sous terre ça pour te grandir pour te faire une ballon indépendance. Yon membre Petro Challengers populaire Reginald Dumais plaidait en faveur application idéale Dessalinière. Nous là dans cadre et idéologie papa Dessalines, ça t'est gagné comme idéologie. Bataille abolir l'esclavage et puis bataille pour bien-être collectif appliqué. Où est comment tout le monde est capable de libre et puis vivre tant que monde, exister tant que peuple. Je dis à nous avons choisi pour faire une mobilisation et à papa pour nous porter ça comme revendication, comme revendication, mais pour nous continuer pour nous dire, pour nous lever tête, pour nous garder blanc dans les yeux. Certains militants politiques qui ont tenté de manifester sur le champ de Maslan pour marquer date 20 septembre, ont demandé au groupe pays. Suspend fourré bouche dans les affaires internes pays d'Haïti pendant que yo souhaité les États-Unis d'Amérique aider yo joindre l'argent Petro-Caribéen. N'a profité dit Amérique tout, quoi Petro-Caribéen te ka aider Haïti développer, n'a place là encourager élection malade de pays. Si dirigeants politiques pays nous qu'on a le porter bol blé yo Bali, nous même nous pas qu'on a le porter bol blé nous ba yo. D'ailleurs, nous pas gain visa nous même. À bout de ça, c'est bout de papa de Saline, non? Nous pouvons échanger pour nous pour aucun autre bout de sous la terre. N'a rappelé que Jean-Jacques Dessalines te prend naissance 20 septembre 1758, Grande Rivière du Nord, lui mourit assassiné Port-au-Prince, précisément Pont Rouge, dans la date 17 octobre 1806, le Sahara, lui te gagne 48 l'année sous tête. 17 octobre 2020, Cap Vini là, a fait 214 l'année, depuis qu'il a été assassiné, et traditionnellement, autorité haïtienne pral déposer un jeune fleur sous cave des feuillants pour marquer date. Moi, c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Renan. Mes amis, grand monde pas joué, mettre corvée corps ou sous la voie de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Bellsville dans l'État Maryland. C'est rendez-vous info qui a demandé nous prendre précaution. Attention, pas capon, on a suivi toutes consignes et conseils que l'autorité sanitaire mettait devant. Celle 2020, ben, dans le cadre de campagne électorale, ça, État Michigan, c'est un État qui décisif pour une victoire dans le présidentiel novembre 2020 entre président Donald Trump et ancien vice-président Joe Biden. Et campagne deux parties, yo comprendre ça et yo mettant pile accent dans jour qui se passe là sous Michigan. Jean-Bert Philippe pral dit nous plus depuis Hyattsville. Michigan, c'est une parmi plusieurs États américains qui est capable de déterminer vainqueur l'élection présidentielle américaine. Ça veut dire résultat qui a basculé soit dans le camp démocrate là ou bien dans le camp républicain. Président Donald Trump a remporté l'État ça qui marche tout mince en 2016 devant le candidat parti démocrate Hillary Clinton. Dans l'élection présidentielle 2020, un sondage actuel a révélé adversaire parti démocrate là, ancien vice-président Joe Biden, a mené devant le candidat parti républicain Donald Trump. Souci qui gagne pour électeurs chita la caillou à cause pandémie COVID-19 là, capable d'affecter tous deux candidats. Trump's done what he said he's going to do. That's the bottom line. Whether you like the guy or not, he's working hard. And I haven't seen any accomplishments from any political figure like I have from him at least. Mackie Koop, un électeur dans l'État Michigan, déclaré président Trump qui avait promis de faire point final. Qu'on aime ou pas, président travaille dur. Moi, pour que j'en moi, réalisation, un politicien, etc. lui-même. Monsieur Pajam Campé, il est toujours à bouger. Cependant, M. Cook tellement supporté président Trump, il voyage pour assister à un rencontre populaire président a fait dans l'aéroport Saginaw, côté Livan Mayo avec casquette leader américain. Malgré toute démarche, il n'est pas sûr si oui ou non il a voté dans l'élection en novembre 2020. Well, sometimes I don't feel the vote matters. And you get really disgusted with what's going on. And you feel like, what's the point? Parfois, je me sens que j'étais bulletin en lien important encore. Ou senti ou gain d'égout et ça a passé et puis ou dit tout simplement pour qui raison que moi de voter. We have an absentee ballot that we will be receiving and we'll probably cast it that way and we'll probably deliver it. Brent Slay, homme d'affaires qui était dans Grand Rapids, Michigan, dit nous gain pour nous recevoir bulletin pour nous voter par la poste. Probablement n'a voté par la poste. Probablement n'a déposé bulletin nous dans une boîte postale. Brent Slay dit la supporter qu'un parti démocrate là, ancien vice-président Joe Biden, qui menait plus fort campagne sous Internet là dans l'État. Slay dit candidat démocrate là a plus support dans Michigan aujourd'hui comparé avec Hillary Clinton en 2016. There was not great enthusiasm for Hillary Clinton. Bernie Sanders beat her in the primary in Michigan. I think that says a lot right there. Pas grand content pour Hillary Clinton dans l'élection 2016 là. Bernie Sanders a remporté l'élection primaire devant ancien candidat parti démocrate là dans Michigan. Ça veut dire un pile. Moi, pas quoi que Michigan c'est un État qui est ouvertement libéral. Moi, quoi que la population est plus que content avec Joe Biden aujourd'hui. Docteur Mahmoud Al-Adidi a travaillé dans soins intensifs dans un hôpital qui est situé dans le sud-est Michigan. Côté, il traitait plusieurs patients qui ont souffert avec COVID-19 là. Il était supporté Hillary Clinton dans l'élection présidentielle 2016 là. Il était supporté actuel gouverneur État démocrate Gretchen Whitmer dans l'élection qui était déroulée en 2018. I did support a lot of Democrats in the last cycle. Yes, I could say that. Moi, je suis pas dans les démocrates pendant le cycle électoral passé. Moi, capable de dire. Les journalistes ont demandé est-ce que il y a une possibilité pour ta voter en faveur Trump dans l'élection présidentielle 2021. Il dit oui, il y a une possibilité. Oui, moi, pas qu'au fin réfléchi, net pour prendre une décision finale. Docteur Aladi dit il voulait fournir garder pour le qui Jean Biden pour essayer de parler avec la communauté musulmane avant de prendre une décision finale. Parmi les décisions qu'il va prendre, c'est pas voter ni en faveur Trump ni en faveur Biden. La communauté musulmane a dépassé 100 000 électeurs qui ont basculé les résultats dans un camp ou bien dans un autre. Nous rendons compte de l'importance du groupe électeur Sayo, responsable de réaliser ça tout. Ça fait 4 ans que le candidat parti républicain Donald Trump a eu une grosse surprise, l'a détourné. Premier candidat présidentiel républicain qui a remporté l'État Michigan depuis 1988. Ordinarily, just in the normal course of things, we expect turnout to go up. But between 2012 and 2016, Michael Turgot, professeur de sciences politiques dans l'Université of Michigan, déclaré d'habitude, dans une situation normale, nous espérons une augmentation dans la quantité d'électeurs qui participent dans l'élection.
Mais entre 2012 et 2016, la participation était réduite à 200 000 voix. Le professeur a ajouté plus fort déclin arrivé dans Alanto, ville Detroit, une zone urbaine qui a un pile électeur noir américain qui vit là-dedans. Quand c'est le monde qui peut sortir à voter et permettre Donald Trump de remporter une victoire avec environ 10 700 voix sur un total 4 500 000 électeurs qui ont voté dans l'État en 2016. Démocrates n'ont pas quitté les républicains quand le président Trump a fait même bagarre qu'il a fait en 2016. People have shown a willingness to put it on the line and go vote. The dilemma is really around the suppressive efforts. I mean, you have people who are, you know, working class, wage earners, you know, that have kids in school. Alvin Thierry, un professeur de sciences politiques dans Northwestern University, dit en plein monde, il y a une volonté pour faire tout ce qu'il est capable pour soutenir à le voter. Dilemme non, c'est effort suppressif là. Ou bien une quantité de monde qui est membre de classe moyenne, qui a un petit monde à l'école et qui travaille. Donc, passer 5 à 6 heures de temps dans une ligne pour voter, capable de faire préférer à le travail plutôt. Deux candidats continuent à mener campagne en attendant de participer au premier débat présidentiel dans Cleveland, Ohio, 29 septembre, Cap Vinila. Débat ça prend une opportunité pour électeurs connaître la position de chaque candidat sur une série de questions importantes, tant que création de travail, économie, éducation, pandémie COVID-19 là, avec politique, affaires étrangères, États-Unis. Sans oublier l'autre question encore. Une dossier à suivre. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Et l'autre point dans l'actualité à ce plan international, jeudi lundi 21 septembre 2021, c'est coup d'envoi 75e anniversaire Assemblée générale Nations Unies et pandémie coronavirus là, la dans centre débat entre 193 délégués et membres organisation mondiale là, et il y a l'autre point encore qui va dominer et assembler ça qui est totalement spécial. Parce que la fête n'a mis temps en pandémie et c'est ça qui fait que la fête de façon virtuelle. Lionel Demarat a dit nous plus depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Nouvelle qui sortit de New York fait qu'on est leader mondial yo a rencontré dans le quartier général Organisation Nations Unies en Manhattan à partir de lundi 21 septembre. Non. Mais d'une façon virtuelle. Ça veut dire c'est une réunion qui a fait sur Internet là. Dans le moment où il y a pour discuter sur une coopération internationale pour bloquer la propagation de la pandémie coronavirus. La quantité de infection confirmée dans le monde arrivait à dépasser 30 millions et la quantité de monde qui mourit presque arrivait à 1 million d'après le centre de recherche université Johns Hopkins dans Baltimore, pas loin de Washington. Secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres fait qu'on est maladie COVID-19 là, mettez à clair pour tout le monde. Inégalité cap grandit plus chaque jour dans le monde pendant la menacée progrès développement que l'homme t'est passé plusieurs dizaines d'années pour le réaliser. Monsieur Guterres lance son pinga contre l'idée comme quoi un seul grain de vaccin pourrait résoudre le problème coronavirus la posé dans le monde. L'idée mondiale l'a dit plus précisément en abcité, nous fait pour élargir sérieusement et d'une façon massive cadre utilisation outils qui existaient yo et qui capable permettre nous faire face à nouveaux cas infection yo et puis nous devons offrir traitement qui essentiel pour éliminer transmission yo et sauver la vie moun. C'est pour nous faire ça dans 12 mois qu'a venir là yo. Déclaration Antonio Guterres, secrétaire général Organisation Nations Unies. Lionel Demarat t'es pas là avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Il y a plusieurs